Attendez. Je vérifie tous les réglages d'abord. Allez. C'est bon, on est pile à l'heure. Bon, attends, mais ça c'est pas trop grave. Hein. J'attends juste de virer. Je vais juste vérifier les paramètres. On va démarrer. Hein. Waouh. Je pense que ça va être Seriflore, hein. Au titre, hein. On va le mettre, je pense. Tu vas me donner de Seriflore, je vais le mettre. Ouais. Alors, une petite minute, s'il vous plaît, je fais les dernières formalités. Parfait! Vous le savez tous, comme d'habitude, c'est Meltan et ce Pokémon. Pas besoin de vous expliquer pourquoi. Je rappelle qu'on peut avoir le Shiny. Hein. Et comme vous pouvez le voir. Attendez, est-ce qu'on est connecté d'abord, hein? Faut toujours attendre 2 minutes avant d'être sur. Ça y est, on est connecté, les amis. Donc, bonjour tout le monde, bonjour à tous. Bienvenue pour ce live Twitch et bonjour YouTube aussi, hein, pour ceux qui verront la rediff. Bienvenue pour l'événement Pokémon Vedette, comme tous les mardis. Comme on peut le voir, c'est Seriflore. C'est Seriflore, tiens. Un Pokémon pas facile que ça à capturer. Mais très intéressant à faire. Ouais, c'est bien vu. Modification là sur le titre parce que je pense que ça mérite un petit changement de titre. Voilà. Pokémon Vedette. Oh, je demande un titre. Je sais pas si c'est mieux en majuscule. J'ai changé le titre 1 minute. Ah oui, c'est vrai que vous ne le savez pas, mais là, on n'a pas fait un Pokémon. C'est rare, mais pour la première fois, on a un Pokémon déjà évolué. Ce qui est très rare, d'ailleurs. Parce qu'il n'a pas d'évolution. Attendez, je vérifie un truc. Seriflore. C'est ça, parfait. Je modifie juste le titre, c'est tout, parce que je trouve que ça manque un peu de titre. Alors, juste que je vois combien ça coûte. Alors, comme d'habitude, hein, on fait plein. Peut-être qu'on aura... Hein. Il y aura juste un moment où on va charger le téléphone, par contre, oui. Bon, c'est rien de grave, je vous rassure. Hein. C'est hier soir que j'ai chargé, en plus. Hein. Ah oui. Maintenant que j'ai changé de batterie, des amis, hein, ça reprend, hein. Bien longtemps, hein. Donc ça va, c'est plutôt cool, dans le fond. Là, on a affaire à un Pokémon qui va nous rapporter beaucoup de bonbons, hein. Là, on mise... Je veux le shiny, hein, celui-là. Alors là, il ne va pas durer par contre. Comme le quotidien, je rappelle, ça va durer 1 heure, donc on va dire pour 1h15, donc à 19h15, on s'arrêtera normalement. Dans 4 minutes, je lance Meltan. Il n'y aura pas de raid par contre.
uniquement l'événement. Ah oui, il y a un temps pour tout. Hein. Demain, je ne sais pas encore ce qui sera décidé. Par contre, ça c'est. C'est pas Pokémon facile à capturer, hein. Je le rappelle. En tout cas, il y a beaucoup d'XP. C'est quoi, Lulu? Bien. Parfait. Bon, ça, ce Pokémon va vraiment être difficile. Pour la première fois depuis longtemps, je vois qu'il y a un Pokémon qui est un vrai frein. C'est un vrai frein, ce Pokémon. Mais je pense que j'aurais dû changer de Pokémon copain là pour ça. Pas mal, mais non, je veux mieux. Qu'est-ce que c'est, un shiny? Allez. La capture va être plus longue, je crois, hein. Mais tant mieux. Hein. Comme si vous allez disparaître d'un coup comme ça. Hein. C'est vrai que ça, c'est la chose que je rêverais vraiment de faire un jour. Hein. C'est de le faire partager l'événement en extérieur. Alors là, toutes les captures qu'on va faire de ce Pokémon-là sera automatiquement avec des bonbons L. D'ailleurs, j'en profite pour... Merci à tous ceux qui ont été là pour le Community Day, c'était vraiment super. Et d'ailleurs, un petit conseil rapide. Pendant le prochain Community Day, si vous n'avez pas envie de le faire, et que vous avez un Pokéstop devant vous, profitez-en pour mettre un leurre plante ou un leurre glace. C'est ce que je compte faire d'ailleurs. Allez, au suivant. Encore une fois, on tuera dans les verres. Oh. Et dans le tour. Donc, je le rappelle encore une fois. Hein. Ce Pokémon, c'est intéressant de le faire pour la poussière d'étoile. Quand un Pokémon n'est pas trop intéressant, il faut penser au meilleur. Quelle fatigue! Je dis pas comme une grosse journée difficile, je sais pas si vous ça a été pareil, mais moi ça a été le cas. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on a rigolé, hein? Ah oui, tiens, il faut que je pense à vous envoyer les cadeaux. Tout va bien.
Même les boss, ça passe pas. Hein. C'est extrêmement difficile hein, de réussir avec ça. On peut essayer encore. Hein. Là, c'est vraiment la montagne de poussière que vous allez pouvoir vous faire. Si vous avez un parc à procéder avec beaucoup de Pokéstop, profitez-en. Hein. Là, vous allez vous mettre bien. D'ailleurs, rapidement, je vais juste vérifier, voir combien j'ai de bonbons tués là après. Ça va, on n'a pas dépassé le temps. Hein. Je rappelle que si on fait du même time, pas pour rien. Hein. Allez, au suivant. Et non, c'est bizarre, hein. Ça fait que leur couleur change des fois. Et merci à toi Corinne. Merci à toi pour le follow et bienvenue pour ce live. Ça toi bien, j'espère que cet événement te plaira. Nous continuons les captures. Pour l'instant zéro shiny, hein, je rappelle encore. Mais on garde espoir. Hein. On veut le shiny. Hein. Non, pas de très bon. Avant de démarrer, je vais juste vérifier voir Seriflore. Est-ce qu'on en a un bon d'abord? Attends, juste que je vérifie un truc. Seriflore. Ouais, on a quand même eu un très bon, mais pas tant que. Ah, si, si, quand même, on a eu des bons. Il y a aussi l'autre Seriflore. Avant de partir, je veux savoir un truc. Est-ce que Seribou, c'est son évolution? Ah non, ouais, d'accord, je pense que oui. Alors, on continue, les amis, on continue. Voilà pour. Je rappelle que là, on va se faire le plein de la poussière. Hein. C'est pas le bonus poussière parce que ça sert pas grand chose aujourd'hui. Parce que je rappelle que pour le prochain Community Day, qui sera Racaillou, pour ceux qui n'ont pas vu les news. Il va avoir du bon, hein. Du très bon, même. Bien, continuons. Là, je peux vous dire que les bonbons, il y en a beaucoup hein, à se faire. Hein. Allez, Meltan. Alors, pour ceux qui débutent, ceux qui sont jamais venus ici, si je mets Meltan le mardi, c'est pas parce que j'en ai envie, mais c'est parce que malheureusement, l'ensemble fait un Pokémon toutes les 5 minutes maintenant. C'est pour ça. Donc Meltan est là pour. Je rappelle, pour bâcler le vide. Sinon, il faut juste attendre 5 minutes le temps qu'un Pokémon apparaît. Hein. Et en plus, c'est pas si mal d'ouvrir cette boîte. Ceux qui ont une Switch, vous pouvez le faire facilement. Mais pour ceux qui n'ont pas de Switch, comme moi, mais vous pouvez facilement télécharger l'application Pokémon Home. Hein. Je le rappelle. Hein. Très important. Hein. Pokémon Home, c'est une super application que j'utilise d'ailleurs. Et de toute façon, c'est marqué dans le titre, hein, je rappelle. Hein. C'est à chaque fois. C'est le Pokémon vedette plus Meltan. D'ailleurs, si vous revoyez la rediff, ah oui, la rediff non seulement elle est très longue, hein, elle dure presque 3
3 heures de live on a fait non-stop. Et vous savez ce qui est le meilleur dans tout ça? C'est que figurez-vous que pour qu'après ça, je l'ai mis en ligne sur ma chaîne YouTube. Je suis très content. Ah, ça a été long, hein, aussi de l'uploader. Mais c'est pas un problème. Je vais quand même voir qu'est-ce qu'on a comme Pokémon ici, c'est intéressant. Et bien, allons-y. C'est un type vol. Allez, Dinosferalti. D'ailleurs, vous savez que j'en ai un Dinosferalti 100%. Allez, c'est parti. Allez. Ça, franchement, je vous le recommande vraiment de le faire. Hein, quand il y en a des sbires. Les sbires, c'est trop bien. Allez, c'est parti. Les sbires, quand même. Alors, bien sûr, un conseil pour faire des sbires, c'est d'avoir des réserves de rappel et de soins. En plus, ça fait de la poussière sur l'eau aussi. Tout ce qui fait de la poussière, tout ce qui est rentable, ça m'intéresse. D'ailleurs, aujourd'hui, comme vous savez maintenant qu'on a deux passes gratuits, eh ben j'en ai profité pour justement me faire un petit raid de niveau 1. C'était pas un raid super intéressant. Ah, bah si. J'en étais un, justement. C'était ce nouveau Pokémon combat. Allez. Meltal. Alors non, je n'ai plus de boîte cadeau, parce que pour ceux qui le savent, la boîte cadeau habituelle que j'ai utilisée ce matin parce qu'en fait, j'avais les nouvelles récompenses qui venaient d'arriver. Et attention, quand je parle de nouvelles récompenses, je ne parle pas des petites récompenses, Pokéball, rappel, non. Là, on va faire encore quelque chose de meilleur que ça. Ouais, je pense qu'on va un peu trop... Les réserves, c'est plus très très vite, hein. Fasse gaffe à ça. Après, c'est pas trop grave. Hein. Nous avons les Poké, les amis. Pas mal. Mais malheureusement pas assez bon. Ah bah oui, je sais, mais moi, si ça dépasse pas le 96, je prends pas. Attendez une minute, s'il vous plaît. Excusez la famille.
En tout cas, pensez bien à augmenter vos boîtes. Hein. D'ailleurs, ce que je vais faire là après, les prochains cerveaux, je vais les garder. Et on va les tenter aux échanges. J'ai fait un échange en dessous d'ailleurs aujourd'hui. La patience, c'est ça la clé. N'oubliez jamais. Il faut toujours être patient. C'est comme ça qu'on avance. Pokémon, il faut des fois le comparer à de la pêche. Attendez, voilà, deux séries. Ou alors là, ceux-là, on ne les rate pas. D'ailleurs, il faut savoir que des fois, quand on est à court de Bécrambie, il y a une astuce qui marche très très bien. C'est d'être dans un parc et de chercher des quêtes, de faire certaines choses pour avoir des Bécrambies. Je déteste ce moment-là. Et voilà. Et voilà. Ce que je connais est arrivé. Attendez. Je vous jure, j'ai cru à chaque fois que c'est un shiny. Il y a seulement une impression de shiny à chaque fois. Je vais le garder pour après. Parce qu'en fait, j'en capture en même temps sur mon compte secondaire. Pour ceux qui le savent, ça me permettra de tenter des échanges. Je vais tenter des échanges après. Vous savez, si j'avais eu un Pokéstop, enfin, une arène, ah ben je veux dire que ça se passerait beaucoup mieux. Hein. Bon, je devrais être content déjà depuis longtemps. Hein. Et que le début du jeu, même quand il y avait Harry Potter, j'ai toujours eu un Pokéstop. C'est vrai que c'est un exploit. Et de la chance. Allez, on va continuer avec lui. Non. On attend une minute. Parfait. Le rêve serait ça, je crois, ouais. Vous imaginez si on passait de... On passait de 5 à 3, à 2 minutes, virgule 5. Enfin, en gros, qu'on passerait la moitié. Au lieu d'attendre 5 minutes, on attendrait beaucoup moins pour les Pokéstop. Que ça se recharge. Alors, ce serait. Pareil, encore une fois, c'est la des choses qu'on rêve tous avoir. D'ailleurs, la méga, ça va bientôt évoluer encore.
Enfin, ça va bientôt enfin évoluer. On va pouvoir obtenir plus de mégas facilement. Meltan et Meltan, c'est embêtant. Hein. J'aurais trop voulu qu'il y en ait un peu plus. Alors, en tout cas, ce Pokémon, il est pas facile du tout à capturer. Hein. Vous le remarquez qu'avec une Pokéball, ça marche pas. Hein. Allez. D'ailleurs, vous le remarquez, j'ai mis nounourson en copain, c'est pas pour rien. Hein. Ah, mais ça va, on a fait beaucoup de kilomètres aujourd'hui. Toi, Louis, je suis assez fier de moi. Hein. On a fait 23, je suis assez content. C'est quand même pas mal, hein, je trouve. Hein. Et non. Bon, lui, attends, ne faisons pas votre shiny avec lui, hein. Pokémon Meltan n'aura jamais, n'a pas de forme shiny. Hein. Des fois, il peut en avoir pour des événements. Comme c'est dur quand ça ressort à chaque fois. Toujours. Pas mal, hein? Eh ben, dis donc. Hein. Je crois que Meltan, je sens qu'on... Je pense pas qu'on va avoir un super, mais c'est déjà pas mal. Hein. Pour Meltan, pareil. Allez, on continue. En tout cas, moi je vous le dis, hein, faites du Meltan, c'est trop bien. Hein. Meltan, c'est vraiment le top du top. Je rappelle pour ceux qui me l'avaient demandé. Hey, salut! Salut Polacio. Comment tu vas? Toujours au rendez-vous, ça fait plaisir. Hein. Ben très très bien, hein. C'était vraiment génial samedi, hein. J'ai jamais fait un live aussi long, hein. Mais c'était épuisant, hein. Parce que rester 3 heures sur l'écran comme ça, ça n'a pas été facile, mais c'était bien, hein. Le week-end s'est bien passé d'ailleurs aussi, hein. T'as eu des shiny? En tout cas, celui-là, il est très dur à... Ah, ben super! Ah, ben super! Hein. Celui-là, il est dur à avoir en shiny, ce Pokémon. Il est très rare. Le morceau, c'est vrai qu'on a pu en avoir pas trop. Je crois que j'en ai eu 3 ou 4, il me semble. Hein. Mais bon, ça n'a pas été facile, hein, l'événement.
Et le prochain événement d'ailleurs, ce sera Racaillou. Bon, c'est pas le top, mais c'est Racaillou d'Aoula. Ce sera bien. Très super, même. Bon, au moins, il y aura un peu de poussière d'étoiles, ça c'est bien. Toujours penser au positif. Hein. Les bonus, c'est le plus important. Et je réfléchis. Parfait. Ah ben c'est cool. Moi j'en ai eu. Ah ben c'est cool. 10 shiny. Respect. Moi j'ai pas réussi à avoir autant. Et oui, ce jour-là, j'ai fait, comme tu le sais, la moitié en extérieur, mais sous la pluie. Presque. Un endroit où il y a un Pokéstop et l'autre moitié, enfin, on va dire les 15 dernières pourcents ici, en live avec vous. Et j'ai pas regretté d'ailleurs. Mais on s'aperçoit que c'est impossible de gérer, de le faire à la maison à 100%. Hein. Parce que ça demande. Parce que ça demande beaucoup de travail et de temps. Hein. Je note un truc là. Quoi, c'est tout? On a fait un seul série flore. Enfin, tous ensemble, on les a jetés. Ah, et aujourd'hui, j'ai fait un échange chanson avec un ami. Et j'ai pu avoir celui-là. Je suis content. Quand je pourrais, je le ferai évoluer. Ouais, ah, ouais, quand même, il peut monter très haut lui. Ça c'est beaucoup de poussière, beaucoup de roues, mais c'est possible. Ça intéresse de voir. De voir toujours jusqu'où ça peut aller à une évolution. C'est pour ça que c'est un peu comme je ne fais pas évoluer. Hein. Mais là, si je veux ce Régiga, c'est quand je pourrai. Quand j'aurai les bonbons nécessaires, parce que oui. Hein. C'est ça qui va demander du travail. Hein. Les bonbons. Attendez une minute. J'ai toujours espoir hein, qu'on a un très bon 3 étoiles. Donc, ouais, c'est que j'attends. Ah oui, on attend le prochain, c'est vrai. Ah, un autre série, vous. Donc, qu'est-ce que j'en ai. Alors, est-ce qu'il va être bon lui? Moi, je suis pas. Ah ben c'est cool ça. 3 étoiles, bravo. Ça c'est bien. Là, j'en ai gardé exprès pour les. Avoir un pont là ou pas? Bon, où est-ce qu'on en est? On attend. Ah voilà. Wow, deux séries boucles comme ça qui pop.
Allez, on met le paquet. Non, ça va, on va le garder encore, lui aussi. Allez, on va continuer. Oh, il est dur à chaque fois. Hein. Comme que ça, on a fait un point très dur. Hein. Bon, on va pas faire ça, on va le faire quand même. Alors, non merci. Ça te dit que je t'envoie dans un repos. Ça te dit que je t'envoie dans ton raid. Non merci. Aujourd'hui, pas de raid. J'ai pas le jour là pour les raids. Même si à nouveau intéressant, hein, mais pas aujourd'hui. Après ça dépend sauf d'autres personnes bien sûr. Hein. Et bon, pour l'instant, je ne rentre pas trop sur le raid là. Faut qu'on reste que sur ça. Prendre du temps pour rentabiliser, pour remettre tout ça. Bon, nous continuons les captures. Alors là, on n'ouvre pas les quêtes. Allez, on continue. Alors, je faisais quoi, une minute? Allez, entre cérébraux. De toute façon, il y aura une session d'évolution. J'ai pas vu ça. Allez, on essaie avec ça. Et voilà, ça fuit encore. Ah, je savais que ça tiendrait pas. Hein. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas, ce Pokémon qu'on a à faire, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est un Pokémon évolué. Hein. Allez, vite.
Ah ouais, quand même. On a usé beaucoup de bol, hein. C'est vrai qu'un joueur en métier, j'aimerais bien le tenter, hein. L'événement. Mais pour cela, il faudrait que je sois sûr que la connexion marche bien. Dans un endroit tranquille. Ah bah c'est sûr que là, je peux dire que... dans un endroit... qui n'est pas la maison. Pour l'événement, bien sûr. Ça sera le top. Pour le parc. Bon, il y aurait un truc à tester, c'est le réseau, la connexion et surtout... voir si le live se passerait bien. Et voir combien de temps durait le téléphone aussi en termes de batterie. Ça, c'est important, hein. Non, rien de spécial. Ah! J'ai eu un Demeteros 89%. Ah ouais, c'est cool ça, bravo! Ah, moi demain, normalement, je vais prendre une légendaire. Normalement, demain, encore une fois. Je sais pas ce qu'il y aura. Soit demain. Demain, il y a trois options. Soit demain, je vais être avec des gens et on va faire des raids. Donc entre 2 et 4. Raids. Soit demain. Live le soir, soit ben aucun des deux, aucun live, ça peut arriver ça aussi. Donc, je sais pas quand je vais refaire. Surtout qu'il faut que je vous rappelle qu'on continue le PVP, hein. Redémarrer le PVP encore, hein. On est attends au niveau 13, je crois, ou au niveau 14, faut que je revois ça. Minutes, je vais voir combien on est. Qu'est-ce qu'il me fait là? Il me marque même pas. Attends, t'es où là? J'ai eu chaud là. Vous vous rendez compte que là, cette session là, tiens, j'ai pas dit ça. Cette session là, vous voyez là, elle est peut-être bien, mais elle est payante. En gros, tu payes. Tu vois, ça remarche, ça, je m'en vais plus. Ah oui, ah ben non, on est niveau 4. Ah non, on est au rang 14 quand même, hein. Il reste 36 jours. Donc faut vraiment qu'on attaque pour atteindre le niveau 20. Au moins qu'on atteigne ce niveau 20. En fait, il n'y aura pas d'autres sessions. Hein. Enfin, il n'y aura pas d'autres moments où on aura la session spéciale. Pas facile de capturer ce Pokémon, hein. Là, je capture aussi sur mon compte secondaire parce que je vais tenter des échanges. Et si on peut faire des chances ou des 100%, hein, ce serait pas mal. Deux? Alors là, on met le paquet, hein. Tant pis. Tu dis un jour de faire un combat entre... Alors, les combats, je vais pas être méchant, mais non. Je préfère... réellement, les combats de dresseurs, je préfère pas. Cependant, je peux autoriser un combat pour que tu gagnes et pour que tu finisses quête, ça oui. Mais sinon, non. Je préfère mieux faire le PVP. En fait... moi, franchement, même si ça peut être bien, je suis pas pour. Je n'ai pas trop ce délire de vouloir faire des combats entre dresseurs. C'est pas... d'ailleurs, c'est vraiment une chose que je fais de moins en moins aujourd'hui. Hein. Enfin, vraiment, je fais plus depuis un moment. Les seules fois où j'ai fait des combats, c'est vraiment pour tenter d'avoir des récompenses. Parce que oui, hein, le but d'un combat, moi, quand je le fais avec un dresseur, c'est pas pour savoir qui va gagner, pour savoir... qui a envie de gagner, qui a envie d'avoir des récompenses.
Ouais, j'en ai un peu trop capturé, je crois. De toute façon, après la session, dans 15 minutes à peu près, on va tenter les échanges. Beaucoup de PC celui-là. Alors de toute façon je vais pas toujours le faire, hein, utiliser des baies dorées. Encore même avec une baie dorée. Même avec une baie dorée c'est pareil. Je refais encore. Donc je reprends. Ah, pas mal, mais non. Pas bon du tout. Il est quelle heure là? Ça va, on a le temps. On ne prend pas par contre garder tous les Pokémon qu'on a, parce qu'on en a trop. Bien. Poursuivons. Enchaîner parce qu'on va pas y arriver. La patience, c'est ça la clé. Il faut attendre. Encore Meltan. Ouais. Bien. Eh ! Oh non. Ça doit être imprononçable. Non, désolé, pas de raid. Non, pas de raid aujourd'hui. Il n'y a pas qu'il manque des raids d'ailleurs, en ce moment du coin. On est reçu en privé. Mais dis non, je t'envoie dans... Ah non, merci, hein, je te dis. J'ai dit que non, là, je fais pas de raid, hein. Non, c'est pas... Surtout que là, vu l'heure, je vais pas pouvoir rester comme dimanche, hein. Enfin, comme... Attends, c'est quel jour? Non, comme samedi, je veux dire. Là, dès que Meltan finit, là, j'arrête le live, hein. Ah, d'accord. Dans ce cas, envoie-lui un message, c'est-à-dire mentionne-le. Mentionne-le. Vers, tu cliques sur son pseudo à lui, enfin, sur le pseudo du chat, à lui. Et tu lui demandes. Ce sera plus facile.
Je vais juste voir combien d'en reste. Ok, 6 on en a. Non, c'est un caractère spécial. Ouais, exact. Bah, en gros, tu cliques sur lui, t'as une flèche. Oh. Si tu vas sur ton pseudo, tu vas sur cliquer pour répondre. Et tu peux l'envoyer le message. C'est comme ça qu'on fait en général. Par contre, ça sert à envoyer en privé, hein. Il faut l'envoyer sur le chat, hein. À la personne, je le dis au cas où. Ouais, pas mal, mais non, on le vire, lui aussi. Allez, on continue, les amis. Tu viens d'envoyer un message en privé. Non, moi j'envoie pas de message en privé. Mais si tu veux parler à la personne pour le raid, il vaut mieux que tu lui envoies par le chat que je fais. Et là, ça fera beaucoup mieux. Parce qu'en privé, les gens ils répondent. Pas beaucoup de gens répondent en privé. Hein. Ouais, quand même, il reste 21 minutes, hein. Allez, on poursuit. Ouf, fatigué. D'abord, comment tu veux le savoir qu'il a quitté le live? Moi, je peux pas le voir quand les gens quittent le live. Je peux le voir par le chiffre, c'est vrai. Mais on peut pas savoir si c'est lui ou pas. Hein. Alors non. Ça, c'est sur tout le monde hein, qui a marqué déconnecté. Hein. Quand il y a marqué connecté, c'est quand on est connecté à son propre live. Ça n'a pas l'air qu'il est déconnecté hein, de la zone. Forcément. Hein. Soit il est encore là, soit il va aller chercher d'autres personnes pour le raid, et puis voilà. J'ai juste cliqué sur son profil et je vois qu'il est. Oui, mais. Ben ouais, c'est ça en vrai. Hein. C'est comme ça qu'on le voit. Mais on peut pas voir quand il clique, quitte le chat. Hein. Il faut savoir que. Que le mode là où il y a marqué une, deux personnes ou trois ou plus, moi je l'ai désactivé exprès. J'ai pas envie de me préoccuper de savoir qui est là, qui est pas là. C'est que quand les gens parlent. Parce que c'est bien quand les gens viennent. Les gens qui viennent de eux-mêmes me parler. Faut pas être insistant. Pas très intéressant le volume, mais on va quand même. C'est quand même intéressant, je trouve. Et c'est que des Pokéballs, hein. Allez, on approche de la fin de l'événement. Là, je vais bientôt commencer à chercher quelqu'un pour après, pour leur. Parce qu'on va raid quelqu'un, comme d'habitude. Ce sera à vous de me. Là, même principe, on va faire comme la dernière fois, on va chercher du Pokémon Unite.
Mais pas encore, je rappelle, c'est toujours vers la fin. Mais c'est pour près. C'est pour des précautions. Parfait. Allez, je fais vite. Non, mais je rigole pas, hein, quand même. Que là, je commence à chercher parce que... À moi, bien sûr, qu'on a un miracle qui arrive après. C'est arrivé une fois déjà. Mais bon, même si c'est un miracle, on ne pourra pas le maintenir. Hein. Et il faut que je trouve un jour, d'ailleurs, pour relancer le fameux jeu Sonic que j'avais fait une dernière fois. Oh, on l'attend, hein. Ah, enfin notre série Boom. Et non. Voilà, attends. Alors. Là, je suis en train de voir aussi. Là, en même temps que je joue, je regarde hein, les gens. Pour qu'un mieux. Unite. Pas mal. Allez. Attends, j'ai 59. Allez. Parfait, bon malheureusement on est à 19h là. Bon, une minute. Et zut. Bon, c'est pas grave, on prend vite lui. On va faire les échanges rapidement. Pas l'événement, mais bientôt la fin aussi du live, parce que je suis obligé de respecter le protocole du temps. Faut que je trouve quelqu'un qui joue à Pokémon Unite, hein, je rappelle. Ou un autre. Pas autre jeu Pokémon, mais un bon. Parfait, excellent. Une minute, s'il vous plaît. Je reviens. Je reviens minute. Ouais, c'est pas fini. Je reviens. Bon, merci. Bon.
Non, j'ai pas fini. Allez, on reprend. Bon, allez, on reprend, les amis. Ouais, on va passer aux échanges maintenant, les amis. Allez, maintenant. Alors, on n'aura peut-être pas forcément les mêmes à chaque fois, puisque j'ai capturé aléatoirement plein. Pas facile de trouver les mêmes chiffres, mais on a des chiffres semblants. Des échanges. Le but, hein, vous le savez, c'est d'essayer d'avoir des bons. Et seulement, on va devoir s'arrêter à vardi, je crois. Il faut d'abord que je fasse un raid, hein. Enfin, j'envoie quelqu'un. Alors, est-ce qu'il est bon? Non, pas bon. Relance. Allez, on continue. Ouais, j'ai trouvé la bonne idée de finir par les échanges. C'est pour eux qu'on finisse pas les métal par contre. Eh, vous voyez, on a du bon, hein. Allez, on reprend. Deux étoiles, parfait. On va bientôt finir. Ouais, je crois que je vais abréger le like plus vite. Je vais pas dire ce mot abréger, mais... Bon. En fait, j'ai capturé les Pokémon sur les deux comptes, comme ça au moins. Bien sûr, aléatoirement. Vous savez, on peut avoir des très bons, hein. Ah là, on va avoir le même. Ah non, ça rien. Ah non, laisse tomber. On va pas l'échanger, lui. C'est déjà bon. Ça a rien. Ce serait la pire idée, ça. Attends, j'ai un très bon. Donc. Ah, parfait, on a trouvé le même. Si. Parfait. Là, il y a 0 étoile. Allez, c'est parti. C'est une bonne idée de faire ça pendant cet événement. Et la réponse est non, je pense. Exactement. Allez, au suivant. Allez, on reprend.
Il en reste 3. Il en reste 2. Mais ça demande une grosse réserve à chaque fois de faire. Je sais pas qui on aura mardi prochain, parce que ça y est, ça change, hein. On est en mai. Allez, le dernier. Allez. Cependant, il nous en reste d'autres des séries. Attendez. Allez, on continue. On continue. Beaucoup de monde, hein. Allez, on finit ça et après on va décider. Je vais prendre une décision assez rapide. Ah, parfait. Bon, eh ben là, on l'arrête. C'est super. Là, je vais de me limiter parce qu'on va devoir... Oh non, il va se déconnecter, lui. Arrêter là. Ouais, c'est que ça parle en même temps, mais c'est normal. Ah, ça va. Allez, on se dit à la prochaine, les amis.